Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Stellaris avec Macrintor. Salut tout le monde! Bon, bah c'est la merde parce que quand je me fais casser les pieds par les autres méchants, là tout le monde est méchant avec moi de toute façon. Grave, et parce que Sega vient de me prévenir un truc, il fait j'ai perdu ma frontière à l'est. Alors moi l'est, hein, je sais pas où c'est, et d'un coup je regarde la carte, je fais ah, pris. Mais j'ai dit mais c'est pas toi ça! Donc en fait je me retrouve frontalier avec un autre empire, donc là je me dis papa, faut développer le bordel. Ce qui m'écœure, c'est qu'il y a deux stations, les deux là, pour se gratter par mes soins. Je suis écœuré d'avoir perdu ça. Les fermes hydroponiques. Ah, est-ce que je peux les faire à Ergot Prime, les fermes hydroponiques Cuva Clone. Un secteur minier, on va le construire. Monde de savane, terraforme. Ah, ça coûte cher. Oh putain, moins 11 de service, mais pourquoi? District urbain, hop. Quoi, tic-tic? Bon. Ferme hydroponique. Hop. On va construire une petite ferme hydroponique. Histoire de booster un peu la bouffe. Ah bah ouais, ça ira mieux. Production brute des emplois, 28 de bouffe par emploi. Donc ça devrait régler mon problème de bouffe. Qu'est-ce que je m'emmerde avec un district minier, moi? Le district urbain est plus important. Urbain fait des slots pour les bâtiments et l'administratif. Voilà, on fait de la défense. On fait de la défense aussi. 79, donc dans 4 ans. Ici, on va faire de la défense. Donc en fait, je reconstruis ma flotte pour lutter contre celui qui est en guerre, bien que je suis à la frontière, mais c'est pour retaper l'autre petit Rikiki. Sauvage. Non mais clairement là c'est lui qui a cherché la merde, il a piqué deux stations, il a piqué tout mon corridor, frontalier, donc là c'est mort, c'est pas de génocide. Merde, j'ai plus de bouffe. Hop. Oh punaise, emplacement constructif plus 1, ça c'est bien, Dôme du Paradis non, capacité navale plus 30, ouais ça serait peut-être bien de développer un peu ma flotte quoi. Ouais. Voyons. On a de la chance qu'il n'y ait qu'une race extraterrestre qui t'a déclaré la guerre. Ouais, ouais. Là, je valide, j'ai de la chance. Je confirme. Je vais prendre un amiral qui a plus 10% de cadence de tir. Au bourrin, non. C'est juste pas. Si, si, si. On va chercher quoi? Fermer les dropping, je comprends pas. Pourquoi je produis aussi peu? J'ai vraiment du mal à comprendre. Ma planète, elle produisait 100, elle produit 74. Sachant que j'ai fait une ferme hydroponique. Ils sont de base des emplois. Je comprends pas comment ça marche. Honnêtement, des fois... J'arrive pas trop à comprendre comment on calcule la production d'une planète. Les fermes production de nature, production brute des emplois 28. Implantation, on va ramener.
Allez, on replante les chômeurs. Venez là, les chômeurs, j'ai du boulot pour vous. Ah, elle produit 119 la planète. Bon, ça commence à aller un petit peu mieux. Ton prime. Limité de plus 30, ok. Capsule Bastère plus 2. Clinique, non. Ok, donc, vaisseau de construction ici. On va comment. Eh merde, je perds du fric maintenant. Ça fait chier, putain, que je perds du fric. Elgerad Prime. On va faire un peu. Et bim, on prend l'énergie, ça va être bien. Quoi faire, c'est quoi? Voyons. Carrefour, le combat contre le feu. Non. Ah. Centrale chimique. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, réseau énergétique. Voilà, c'est ça. Production planétaire. J'ai tenté le bait. Technique, moi je produis 30. Ok. Où est-ce que j'ai des chômeurs? À Toron Prime. On les rapatrie ici. Les chômeurs, on les ramène là. Construction venture completed. A special project is complete. Je l'ai saucé. Raffinerie de gaz exotique. Lamelle rubricateur, les stands. Ah, le FDP des croiseurs, alors que je joue avec les croiseurs moi, très très vite.
fait, même si les gars ont face des croiseurs, oh, si vous n'avez pas plus de corvettes, les corvettes, eh ben, elles sont peut-être moins puissantes, mais elles peuvent tirer en masse plus, beaucoup plus nombreuses. Sur un croiseur, il y a quoi? Il y a un petit emplacement pour tirer. Et ouais. Un ou deux. Et si t'as 10 corvettes, bah, ça fait 20 emplacements. Et un croiseur, bah, il n'y a que, quand même que 5 ou 6 emplacements. Donc du coup, bah, avec le nombre, si tu as la masse de corvettes, tu peux finalement quand même arriver à battre des flottes avec du croiseur. Tiens, j'ai trouvé un truc qui est mort en plein milieu de mon système, qui s'appelle Yutan. Non, ouais. Ouf. Important parce qu'elle est tellement pratique cette planète. Prétendant galactique. Poids diplomatique, ça c'est pas mal. Monde consacré. Projet archéologique. Ça me correspond bien. Ah tiens, il y a un vote au Sénat. Vote sur les anges gardiens. Ah bah non, surtout pas. Surtout pas que ça passe, ça. Un truc pour les pacifistes, là, on va pas le faire. Est-ce que j'ai un truc de clone ici? Cuba clone, ouais. Si on faisait ici... Un petit réseau énergétique. Non, on est... Non, pas réseau énergétique. L'important de recherche, il fait quoi? Découverte technologique, ouais, ça c'est bien. Capacité administrative 100%. Utilisation possible d'une relique, elle fait quoi celle-là déjà? Confère le moyen pour maintenance des vaisseaux moins 1%. Ouais, bon. Journal de bord. Ouais. Ce que je vais faire aussi au Sénat, je vais affecter un émissaire en permanence. Résolution. Viens là, toi, on a du boulot pour toi. On va construire un petit district. Trump Prime. Trump Prime, qu'est-ce qu'on peut construire ici? Trump Prime, je pense qu'on va construire... Une petite centre... ouais, mais non, il me faut du minerai. Oh, Koros, ouais, c'est ma capitale. Non, bah ici, on va faire un peu de ça. Un petit district minier. Hop. Maintenant, on va construire un peu toutes les bases dans notre territoire. Ouais, non, je suis con. On va plutôt prendre lui et on va aller l'envoyer. On va plutôt faire un petit avant-poste à Yutan parce que quand tu vois les ressources, 12, 16, 10, 10, 10, 5, 5. On va faire ça. Émissaire désagréable. Non, on va pas se rabaisser à tels actes. Nouvelle recherche.
Ressources exploitables, la matière noire. Ouais. Là-bas. Pop nécrophagé sur Coros. Voilà. On se pop. Alors, on va toutes les assimiler. Ici, on fait quoi? On fait ça. Centre de purification des minéraux. Ça, c'est bien. Ah merde, je voulais pas faire ça. J'ai dû faire la redoute stellaire. Pris enfin système ennemi. Storm Prime, bien, bien ça. Bijimar, on va bombarder la petite planète et on va préparer la flotte de l'autre côté histoire de déclarer la guerre aux autres. Elgirot, un mot. Ah oui, je peux faire plusieurs fermes hydroponiques, c'est ça l'histoire. Je peux faire qu'un seul usine de traitement des denrées, mais je peux faire plusieurs fermes hydroponiques. Bon, ça va être bien ça. Elgirot, problème. Ah voilà, on est en train. Je regardais pas trop en fait, c'est ça. Je suis en train de les gober partout les pécores. On est plutôt pas mal là. Hop, minéraux pour les mineurs. Oh, 10 000 le verre. Ah, ça va piquer ça. Va piquer. Session du Sénat. Canon collaboratif de recherche. Ah bon, oui, c'est de la recherche. Ouais, ça c'est bon. Ouais, je suis repassé en positif un peu partout. Elgirod Prime. Ferme hydroponique. On a plus 127 sur la planète. Et là, on Intérêt passe à. 125%, je prends. Bah tiens, on va acheter des esclaves. Esclaves, esclaves, j'ai de la place sur ma planète toute pourrie. Ouais, toi, 100%, 100%. Je veux pas faire le statu quo, bah attends, attends, je rentre chez eux, hein. Je prends le plus de système possible. Je vais avoir un statu quo histoire de pouvoir me désengager de cette guerre et foncer vers Prikiki. Non pas que c'est Prikiki la cible exterminée. Elgirot Prime, voilà. Bon, faut juste qu'on. Capacité en base de là, on va plutôt enlever des blocs. Ouais, bon, avance tranquillement, lentement mais sûrement, c'est quoi? En influence au taquet. Bah tiens, je suis en train de penser, poteau, je vais peut-être me mettre. T'es où toi? Serikai, moins 54. Putain. Ah bah je vais peut-être ouvrir mes frontières avec toi. Ce serait bien aussi. Voilà les Et mon. TP. Et mon voisin qui est là. Réseau Oh les caravaniers, je suis à d'espionnage. deux de passe. M'ont piqué les crédits. Ah oui, ça, ouais, ils sont casse-couilles.
construction venture completed. Bon. Voyons ici. Torm, c'est un monde administratif. Koros. C'est chez moi. Décision. Ah ouais, putain, j'ai oublié, ça coûte cher les trucs archéologiques. Et j'ai deux chômeurs. Bah, les chômeurs, on les envoie où? On les envoie là-bas. Réimplantation depuis Koros. Un, deux chômeurs. Torrent Segundus. Attends, on rapatrie. Dictature constitutionnelle. Ouais. Y'a pas un truc qui va pas, les gens? Mais si. Service holothéâtre. Hop. Hop. On va faire un petit holothéâtre ici. Ok, presse administrative. Ok. Ah, ma flotte. Croiseur, un croiseur. Ah ouais, mais j'ai pas les moyens de les faire. Il me faut des cristaux rares. Cristaux rares, je peux en avoir là-bas. Vitesse de construction du croiseur, production des stations minières, ça on prend. La bouffe, je suis passé à plus 16. Ouais, ça commence à être bien. Ici, Torrent Segundus. Torrent Segundus, c'est où ça? Ah, c'est juste à côté, ça vaut pas le coup. Par contre, à Myrs. Myrs, ça vaut le coup de. Ça vaut le coup de pas grand chose en fait. Habitabilité plus 5%, ça je prends direct. C'est du no-brain. Ah, ça éviter des éthiques. Non. Non. Les populations nécrophagées fournissent de l'unité. Bon voilà, c'est une bonne idée ça. Ah, on s'en fout. Ouais, là ça se passe plutôt bien. Il y a quoi au Sénat en vote actuellement? Canon collaboratif de recherche, ouais. Là ici ça se développe. Monde administratif. Hop, on prend ça. Base terre, non. Capacité administrative. Niveau de renseignement de base, plus 10. Je prends. Le... Qui c'est qui me... Qui ose de... Oh putain, Miran Vadestar Realm, le truc il est énorme. C'est un putain de bloc qui a tout enroulé près de moi, quoi. Heureusement que tu as quand même l'Empire déchu qui a... qui sécurise pas ta frontière, quand même. Ouais. Ouais, enfin... Ouais, faut pas grand chose de bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut que je fasse, donc... Revendication... ce qu'il faudrait surtout que je prenne chez lui, c'est Medgar, j'avais dit. Medgar. Il n'est pas comme te créer une base avec beaucoup de défense, histoire de pouvoir avoir un point de repli. De repli. Je me revendiquer. Là. Ah, c'est celui-ci là. Quoi? Construction venture completed. A study has been completed.
Décryptage en bouclier avancé. Ouais, il me faut des... Koros, on est au taquet niveau développement. On va devoir dispatcher les tokens ailleurs. Ah. Ah, entrée désynchronisée. Fais pause alors. Ouais, c'est je fais pause. C'est quoi ça déjà l'épisode? Hein? 25 minutes. Ouais, on va s'arrêter là sinon. Ouais. Ouais, on va faire un peu les fudges là. Ça fait longtemps qu'on vous l'a pas fait, donc voilà. On va s'arrêter là. T'as eu quoi? T'as eu un plantage du jeu? T'as eu... C'est quoi? C'est quoi l'histoire? J'ai eu un message. J'ai eu un message comme quoi bah c'était désynchronisé. D'accord. Bon, on suppose que ça marche plus. Donc voilà. On va s'arrêter là, les gens. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis, poser des questions, tout ça, quoi. Comme d'habitude, on reste à votre disposition et on espère que ça vous plaît toujours. Donc sur ce, on se retrouve ou demain. Je dis ça parce que bon bah là on fait notre série, on voit les trucs et on a publié, on est quoi? On est dimanche, elle va sortir lundi, la prochaine session d'enregistrement c'est jeudi, donc si genre lundi, mardi, mercredi, il n'y a que dalle, on tournera peut-être sur Rush 4, vu que ça nous est demandé, le pire c'est que même après 2 heures d'attente, il y a quand même des gens qui regardent. Donc C'est ça. voilà. Si Stellaris ne marche pas, on va retourner sur Rush 4. Donc voilà. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit bye bye, et à demain pour une autre aventure. Ciao tout le monde!